lines are being drawn as we speak. Whose side are you on? Control the secrets, and you control the cities. Death is just the next step. You first. Incoming! Take cover! Steady! Steady! The balance of Ravnica is about to change, and change is good for us. Et bonjour tout le monde, c'est Revansmil et bienvenue sur un jeu qui est bien sympathique. Eh ben c'est Magic Arena. Putain, j'avais perdu le nom. Mon dieu, mais qui est glandu. Comment que ça marche déjà? Donc on a 20 sorts blancs ouverts, 20 sorts blancs ouverts et 20 sorts rouges ouverts. Donc joue un deck vert. Sectionnez un deck, prends le Force Sylvestre, c'est le deck de base. Si vous n'êtes pas satisfait de votre main de départ, vous pouvez déclarer un mulligan et piocher une nouvelle main de départ avec une carte en moins, c'est le principe du mulligan. Je n'ai pas appris Chandra. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque encore? J'ai appris Karn. Ouais, bah c'est très bien, je veux bien garder ma main, ouais ça va. 2, 2, 3, 5. Ça va très bien. Bonjour. Donc, 2 mana, quand il arrive, on gagne 2 PV. Donc, je passerai à 22. C'est intéressant. 2-1 contre une 2-2. Ouais, allez. Le combat là ne sert à rien. Donc, on a une vigilance. C'est une 2-2. Putain, c'est horrible, je suis obligé de regarder sur mon écran à côté. Quand il arrive sur le champ de bataille, regardez les 5 cartes du sud de votre bibliothèque. Moi, sur le champ de bataille, engagé. Une carte, mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok. Donc, sinon, pour les cartes... C'est pas à moi. Oui, c'est pas moi. C'est bon, salut. Pour les cartes type, vous avez donc les terrains qui permettent de jouer les qui produisent du mana. Le mana produit par le terrain, c'est l'insigne qui est en dessous. Ou l'insigne qui est indiqué sur la carte si c'est un terrain spécial. Là vous avez une forêt, c'est l'arbre tout simplement. Et pour savoir ce que vous pouvez jouer avec un mana, vous avez les chiffres en haut de la carte. Là on a un mana plus un mana, donc un plus une forêt. C'est pas une forêt qu'il faut jouer. Ah ça c'est intéressant, donc ça c'est la fin de son tour. Donc c'est 2 mana en tout, dont un au choix. Donc si on a un deck rouge et vert, on peut engager un rouge plus un vert. Par contre, Mauricio, si tu te barres, Jodim, là, je me laisse pas gagner, ce serait un peu dommage. Par contre, Adjani est super classe. Donc, troisième mana, donc je peux jouer ceci, qui peut être intéressant pour aller chercher du mana. Après, je pourrais jouer deux sentinelles, tout simplement. Ouais, oui, je veux bien. Bah ouais mais non je vais pas refuser, c'est pas intéressant. Je peux attaquer? Je peux attaquer. S'il te plaît, le jeu. Ouais, un attaquant, on va voir s'il est toujours là. On va essayer de le faire tiquer. Et donc c'est pas comme Hearthstone, quand vous avez une limite de points de vie à Magic, elle peut très bien être dépassée. Donc Maurice n'est pas là. Ou alors il est là mais je veux pas bloquer, ce qui est un peu contre sa part. Moi j'ai toujours un bloqueur donc je m'en fous. Ah, gain de PV. Bah bloqueur. Je m'en fous, ça c'est de la merde donc ça dégage. Ah merde, gain de vie. Quoi? Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah merde, j'avais pas vu. Vigilance. Vigilance. Donc là, l'intérêt, ça va être de me débarrasser de cette merde. Quand on a un gros deck PV en face, il va falloir que je me débarrasse des frères de bande d'Adjani. Je ne vais pas pouvoir, donc on va juste bloquer.
Donc tu me bloques ça et tu me bloques ça. J'ai pas le choix. Donc j'évite de prendre du dégât. Et comme l'alien vit, il regagne des PV, donc il reprend. Ça va être compliqué. Ouais, là oui. Tanky. Ok, donc un blanc et noir. Nice. Aucun attaquant. C'est pas assez rentable d'attaquer parce que j'ai trop de risques de la perdre et lui rien en fait. 3, 4, 5, 6. Ah non, j'aurais pu en fait. C'est pour ça, c'est quoi? C'est juste ce qu'il me dit. Ouais, non, c'est pas intéressant. Ouf. Ça le vole cette merde. Putain, il a rien qui vole, l'enfoiré. Non, aucun attaquant. Bon. Je peux rien faire, j'ai pas de créature et il faut que je me garde du cœur. Ah, c'est quoi ça? Oh, jolie l'animation. Si vous avez 25 points de vie, créez un jeton 4-4 blanche. Oh, joli. Ouais, pardon. Pardon, j'avais pas vu. Le sanglier ici ne va être bloqué par plus d'une créature. Ok, on tente. Je tente, on va voir ce qu'il fait. Il a masse PV, donc ça va peut-être être intéressant pour lui de ne pas bloquer. Voilà, je m'en doutais un peu. Je voulais tenter un truc, mais c'est pas grave. Il ne peut pas être bloqué par plus d'une créature. La 6. T'as pas le DNV. Ouais. Tente l'attaque avec tout. Ouais, bah. En toute logique, tu bloques ça. Et là, il a pas sa main. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah, joue ça. Ouais, attaque. Là, dans l'idée, j'aurais bloqué avec la 3-2. T'es à 14 PV, Maurice. J'ai une 10-10 et une 8-8. J'aurais bloqué avec la 3-2. Piétinement, donc la créature passe au-dessus. Ah, quel enfoiré. Je vais être obligé de bloquer. Je suis obligé de bloquer, sinon je suis mort. Donc je bloque. Je bloque la 12-12, bien sûr. Le mec est assez violent, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui. 17-17. Ah putain. Ah non, j'ai trop dégoûté. Bon, 9 PV, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah ouais, je suis obligé d'attaquer, j'ai perdu. De toute façon, je peux pas gagner. Parce qu'il a 4, 7, 10. Donc je m'en fous, j'ai perdu. Ouais, 2, c'est bien. Au moins j'aurais bien réduit. Là il a gagné, c'est obligé. C'est très compliqué de gagner avec des decks de base parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui ont plus de cartes que moi. Ouf, ça fait mal. Après, Magic Arena est axé sur... Ah voilà, ça m'intéresse. Ouais, vas-y, ouvre-moi ça. Ouh, c'est quoi ça? Montre-moi ça. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a dedans? L'oratrice, Game, une autre île. Renvoyer une créature ciblée qu'on a 50 ans d'âme. Si le sommeil était intéressant, je vais comment piocher une carte, meneur, réfléchir au champ de bataille, et toutes les créatures que l'adversaire ciblé contrôle.
Chaque fois que vous... Ok. Engager un andin dégagé que vous contrôlez ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Engager 3 andins dégagés, piocher une carte, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il est pas mal ce... Ce deck-là est plutôt joli. Je sais pas, j'ai pas spécialement envie d'enlever des trucs. Là, je vais avoir des trucs à enlever par contre. On va enlever une carte d'ondin. Sur le taille, piocher une carte. Donc ça, les trois là, ça dégage. Tu me mets à la place une divination. Ah merde, j'en ai qu'une. Deux. Quand le djinn détermine pour chaque île de base que vous contrôlez. Donc là, tu m'intéresses. Voilà, on a remplacé les divinations, même si c'est de la pioche, je suis d'accord. Mais c'est intéressant, ce sera plus intéressant de faire ça. Donc, acheter des boosters. La guilde de Ravnica ne m'intéresse pas plus que ça. C'est la dernière édition, l'avant-première était le 29 septembre, donc c'est une dizaine de jours. Moi, pour ce que j'ai, ce sera plus intéressant d'acheter les combattants d'Ixalan, en fait. Puisque c'est un deck on deck et c'est d'autres decks. Ce sera plus intéressant d'acheter ça. Ouh, ça a l'air joli, ça. Ouh, le joli dinosaure. Si une source devait infliger des blessures à un autre dinosaure que vous contrôlez, prévenez toutes les blessures sauf un. Intéressant. Ça, c'est pas mal aussi. Je le joue de mon côté. Voilà, donc c'est pas mal. Ça m'intéresse. Donc, tu vas... Putain, c'est dommage que je puisse pas importer un des decks que j'ai en vrai. Donc, tu vas me rechercher... Hop, des dinosaures. Nous voyons, voilà si je les trouve. Ouh, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas assez. J'en ai malheureusement pas assez pour faire un deck dinosaure. Donc on le fera. Merde. On va terminer. Non, je veux pas tarasser. Effacer les modifications. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Le paquet c'est hydrotica, singleton, machin. Vert ou blanc, ça c'est intéressant. 750, oui c'est intéressant. Bonus de victoire, bien joué. Mais tu vas pas me prendre la force sylvestre, tu vas me prendre le secret de la jungle. On va tester. Ce sont des decks de base, uniquement des decks de base. Je n'ai pas encore ce qu'il faut pour faire un deck. Donc là, autant garder les decks de base, on fera plus de merde qu'autre chose. Qu'est-ce que c'est? Putain, je suis vieux, je suis une vieille, je suis une petite vieille, sans déconner, c'est quoi cette merde? Donc, 2 manas, ouais, c'est pas mal. Tant qu'on entraîne une île, porteuse de jeu arrive sur champ de taille, ouais, c'est pas mal. C'est intéressant, arrive sur champ de taille, mettez le marqueur sur un autre en deck ou contrôlé. Donc, ok, ça c'est pas intéressant en jeu. Ça c'est quoi? Donc, on va faire ça. C'est du mana, donc je m'en fous. Pardon. Oui, si vous m'entendez, ouais, j'ai encore la crève. C'est depuis la dernière fois, j'ai toujours la crève. Non, aucun bloqueur. Là, c'est pas intéressant, je m'en fous. Puisque ça, je veux le garder. Donc, tant que vous contrôlez un autre ender ou une île. Ouais, et... Et tu me mets ceci. Et tu me le mets là-dessus. Merde, je l'ai pas mis sur le bon. Ah, j'avais pas vu. L'effet du mal d'invocation est trop léger. Le mal, là, j'ai pas pu attaquer parce qu'il a levé le mal d'invocation. La créature venait d'arriver en jeu. J'essaie de rappeler les règles au fur et à mesure. Si vous ne comprenez pas les règles, demandez-les-moi en commentaire. J'essaierai de vous y répondre. 23, donc boost de mana, ok. Si tu veux attaquer... Si une créature c'est bien, marque plus de mana, un nom assuré. Ouh, ça me plaît ça. Je suis en color death, donc hop, hop. Et tu tapes avec. Tu vas taper avec ça et ça. On garde un bloqueur. Là, l'intérêt, c'est de garder un bloqueur pour moi.
Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Plus 3, plus 4, plus 4 peut-être. Plus 4, plus 4, je m'en doutais un peu. Dommage. Il va falloir que je donc je vais devoir rééquilibrer ce deck. Oh putain, c'est incroyable. Ok, faut que je rééquilibre ce deck. Ce deck est absolument pas équilibré, c'est de la merde. Non, aucun attaquant. Ça ajoute du mana, 2 mana. T'attaques avec ça? Ah bah ça dégage et ça dégage. 2 bloqueurs. Il va falloir que je remplace des forêts par des par mix. Donc là il va être obligé de prendre 6 dégâts, donc son truc il est mort. Et moi vu que là, même s'il a le piéto, je prends rien derrière puisque... Ah non, il a même pas piéto, il a juste vigilance, donc ça dégage. Là tu dois choisir laquelle bloque en premier, donc ça c'est la première. Ah il a mis... Ouais ok. Hein? Qu'est-ce que je me suis fait niquer? Je me suis fait niquer là. C'était 2-3... Je me suis fait niquer là. C'était 2-3-3. C'était qu'une 5-5, c'est quoi? Il y a un truc que j'ai pas vu. Oh, il fallait aller plus vite. Quand on clique sur le scorpion qui passe, là, ça fait aller plus vite. Je me suis fait niquer quelque part, là. Ah oui, pardon. Il peut pas être bloqué à chaque fois qu'un autre en arrive sur le champ de bataille. Hein. Ok, je bloque rien, c'est pas intéressant. Non, aucun bloqueur. Je prends 3, c'est pas très grave. Je suis à 16, mais je m'en fous. Ok, ce deck est hyper mal optimisé. Voilà, attaquer. Ce deck est pas du tout optimisé, c'est de la merde, ce deck de base. Pas de mana, y'a rien du tout. Putain, c'est compliqué. Arrive sur champ de bataille et engager une créature ciblée jusqu'à un adversaire qu'on a. Là, malheureusement, ça ne servira à rien. Malheureusement, en fait, celle-ci, je peux la jouer, mais son effet ne se déclenchera pas. Oh putain, ça marche, sans déconner. Ouais, putain, toi. Ça a changé ça. Ça a changé ça. Ouais, attaque avec tout. Ça a changé parce que les règles classiques indiquaient que quand une créature était engagée, on ne pouvait pas la réengager. Ou alors je me suis arnaqué. Ce qui est aussi tout à fait probable. Ah putain, je me suis bien fait arnaquer en fait. Donc sommeil au prochain tour, directement. Obligé, sommeil au prochain tour, c'est le plus rentable. Quoi? Ça et ça? Ouais, bah tu bloques ça. Hein. Un bloqueur ça suffit, je prends rien, je m'en fous. Plus 4, plus 4. Eh, enfoiré. T'aurais dû le faire sur moi, pour en douille. Donc ça marche. Ouais, bah cible-moi lui. Hein. Voilà. Attaquez avec tout. De l'attaquant. Ça marchait pas avant. Ah, ce que je viens de faire, ça ne fonctionnait pas avant, c'est juste changé. Comme les règles changent en permanence après. Oh, et toi, tu dégages. Allez hop, tu dégages. Hop là. Attaque avec tout. De l'attaquant. Il y a un gros problème d'équilibrage de terrain sur ce deck, ça c'est certain. Donc il va falloir que je passe à 62 cartes. Faut que je rajoute juste 2 mana. 60 cartes n'est pas une limite maximum de cartes aussi d'ailleurs. La limite maximum. Oui, il n'y a pas de limite maximum puisqu'il y a une carte qui correspond. Il y a une carte qui est assez violente. Elle indique en résumé. Que vous contrôlez avec un marqueur plus 1 ne peuvent pas être bloqués. Bah t'attaques juste avec ça. Un attaquant.
Ça, il faut que je garde. Moi, je suis à 12, donc il faut juste que je bloque avec ça. Nice. Nissa qui annonce la victoire. 1000. Donc, boutique. On va racheter un booster. Les combattants d'Ixalan. Booster. On réouvre le booster. Donc, harpie. Un dinosaure. Intéressant, intéressant. Humain et pirate. Vampire et soldat. Vampire et chevalier. Et là, nous avons un enchantement. Quand la forme du dinosaure arrive sur le champ de bataille, votre total de points de vie devient 15 au début de votre entretien. Fiche 15 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Et cette créature vous inflige un nombre de blessures égal à sa force. Ok, c'est violent. Mais ça peut être utile. Donc, voyons les quêtes. Lancer 40 sorts verts ou bleus récompense un booster. Ça peut être intéressant. Victoire hebdomadaire, 5 victoires, on a un booster, bonus de victoire, une victoire sur deux, ok, c'est pas mal. Non, on va éviter le mode de jeu avancé pour l'instant, je sais jouer clairement, mais... draft, paquet scellé, c'est quoi ça? Utilisez votre deck construit d'une nouvelle façon, chaque deck peut contenir qu'un seul exemplaire de chaque carte. En dehors des terrains de base, vous recevrez des pièces d'or et des cartes. Fonction de vos performances. Chaque carte inhabituelle à remporter peut se transformer en une carte rare mythique. Non, je sais pas si je vais faire vraiment ça. Oh, quoi que, allez, on va le faire pour la prochaine vidéo. Donc nous, on va s'arrêter là. Je vais tourner la prochaine vidéo de suite. Et donc on fera ça dans la prochaine vidéo. Donc des bisous les gens, abonnez-vous, tout ça, comme d'habitude. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, c'était Rev11000.